Une autre étape aussi qui peut être un peu pénible, ça va être la réalisation des ligatures. Donc pour réaliser une ligature, c'est pourtant relativement simple. Il suffit donc de se faire un rectangle de la hauteur qu'on veut en largeur. Soit vous reprenez les références, savoir le fil que vous avez, la taille qu'il fait. Je prends en moyenne 0,2. Comme ça, c'est simple. Ça équivaut à peu près à tous les fils, à quelque chose près. Il y en a qui sont un poil plus large, d'autres un poil plus fin. C'est en moyenne, c'est à peu près ça. Je pourrais même mettre 0,25. Donc 0,2, c'est bien, ça donne un rendu à peu près réel de la chose. Donc une fois que vous avez mis en place votre premier trait de ligature, il suffit de faire des copier-coller. Donc CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Et après que du CTRL-V. Et vous n'avez plus qu'à vous approcher au maximum. Voilà, avec le magnétisme, il va se mettre tout à côté, il va se coller tout seul. Après, vous pouvez changer les couleurs. Voilà, faire des bandes, vous pouvez vraiment faire ce qui vous passe par la tête et de la façon dont vous le souhaitez. Alors là, je vous conseille, pareil que pour le guide donc d'Anneau, c'est de faire une sélection et de grouper votre ligature en entier. Comme ça, quand vous allez la copier et la coller, vous aurez quelque chose d'uni. Et si vous ne voulez sélectionner qu'un trait de ligature, vous cliquez une fois dessus, double clic, et normalement vous pouvez sélectionner le trait que vous voulez. Cette technique va vous être utile surtout sur le passage des anneaux. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre ligature en entier, vous voyez qu'il y a un gros déport. Donc il suffit de sélectionner et de se mettre au plus près. Voilà ce que ça donne un rendu final.